Salut à tous, c'est Kelly Mendy, ça joue, moi ça va pico, bello, j'espère que vous c'est pareil. Et nous voilà de retour sur The Witcher 3 pour l'épisode 2 de notre aventure sur The Witcher 3, où on va s'attaquer à chaque fois à des quêtes secondaires et pas les principales, parce que les principales, tout le monde les fait, alors que les secondaires, comme ça je peux vous montrer un peu ce qu'il y a comme autre quête que la principale. Et cette fois-ci, un nouveau genre de quête, c'est les quêtes de contrat. Donc les contrats, tout simplement, c'est les quêtes typiques des sorceleurs qui servent tout simplement à tuer une bête qui fait peur dans la région, qui massacre une population. Donc voilà, et cette fois-ci on va s'attaquer aux monstres de la forêt. Donc ces contrats, généralement, ou vous les avez auprès des personnes, ou vous les avez auprès des panneaux d'affichage. Voilà, celle-ci j'ai eu auprès du panneau d'affichage de la ville de Xenfofurt, si je me trompe pas. Ou de l'autre ville du baron. Je sais plus exactement, bref. Mais je sais que j'ai eu dans un panneau d'affichage, voilà. Et cette quête, on va directement la découvrir, ce petit contrat. Voilà. Qui est juste ici. Et vous avez aussi les chasses au trésor, mais ça on fera dans un prochain épisode. Donc, notre contrat. Il est où notre contrat? Voilà, pour le monstre de la forêt. Les monstres sont comme les gens, chacun a ses goûts personnels. Si l'on prête foi à la légende, les dragons auraient une préférence pour la saveur délicate des vierges. Tandis que les ghouls sont réputés pour apprécier la chair faisandée. Dans les bois aux abords de Novigrad, c'est sur les convois rédaniens qu'une bête semblait avoir jeté son dévolu. Sans surprise, le capitaine du poste de garde voisin désapprouvant ce choix culinaire avait placé une prime sur la tête du monstre. Voilà, donc on va parler à ce commandant pour savoir s'il a plus de renseignements sur cette bête qu'on va traquer et tuer, bien sûr. Alors, c'est parti. Et juste à côté de son camp en plus. Il est où, soldat? Il est là. Capitaine. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis ici pour la vie. Je suis ici pour la vie. Vous avez un problème de monstre? Un problème? Elle est bien bonne. C'est pas un problème qu'on a, mais tout un tombereau de merde. Hein, va savoir quoi, rôde dans les bois et s'attaque à tous les convois qui ont le culot d'emprunter la grande route. On est à court de carreaux, de flèches, de vivres. La merde totale. J'ai envoyé une patrouille, on les a jamais revus. Le boulot est simple. Amenez-moi la tête de cette saloperie et vous aurez la prime, comme sur l'annonce. Inutile de marchander. L'intendant ne voudra rien savoir. Et je peux ajouter un sauf-conduit qui permet de franchir le pontard. Marché conclu? Ça me semble honnête. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, c'est parti. Donc le reste, c'est examiner le site où le convoi a été attaqué à l'aide de vos sens de sorceleur. Donc c'est parti. On va examiner et on va voir ce qui a pu bien massacrer ces pauvres gens, ce monstre hideux ou sympathique. Je sais pas si c'est loin par contre, je suis en train de me balader à pied alors que c'est peut-être à l'autre bout de la carte, vous savez. Ouais, vaut mieux aller à cheval quand même. Allez, Ablette, où es-tu, fidèle compagnon ou compagne? Je sais pas si c'est un mâle ou c'est une femelle. Est-ce qu'on arrive à voir? Bonne question. Allez. Bon, on va pas faire ça maintenant, je crois. Je vous dirai ça dans un prochain épisode. Allez, c'est parti. On va retrouver ce monstre et le tuer. Pour avoir de l'argent. Alors. Oulala. On arrive déjà, il y a déjà des petites bêtes. C'est parti. C'est où? Oh putain, je sais pas ce que j'ai eu là. Oulala, ça m'a paralysé. Tu vois, il y a des porcs épiques là. C'est quoi ces bêtes? Oh non, celui-là il est costaud hein. Allez, boum! Tu ne bouges plus! Ah là, t'es mort, satané bête! Tu
Tu sais, c'était des bêtes coriaces là. En plus, avec leur pic là, elles faisaient vachement flipper. Hein. Ah, j'ai gagné un mutagène. Cool. Voilà, un petit mutagène. Et l'autre cadavre, il est où? C'est ça qui est assez chiant de The Witcher, des fois quand vous perdez là dans les phases de combat, dans la forêt et tout ça, vous retrouvez plus du tout les cadavres et vous savez plus où aller dégommer ces cadavres pour pouvoir... Trace voilà. De griffes et de dents, les nécrophages s'en sont donnés à cœur joie, mais toutes ces plaies sont post-mortem. Pour pouvoir ramasser le matos, qui assure eux, bien sûr. Trace de griffes et de dents, les nécrophages s'en sont donnés à cœur joie, mais toutes ces plaies sont post-mortem. Ok, super. Il nous dit exactement la même chose. Il ne reste rien. Soit quelqu'un a volé la cargaison après l'attaque du monstre, soit notre bestiole collectionne l'attirail militaire. Donc ça veut dire que c'est des voleurs. Ce n'est pas une bête, c'est simplement un troupeau de voleurs, je pense. On va juste voir ce que j'ai gagné par rapport au mutagène. J'ai envie de découvrir. Voilà, notre personnage. Tac. Alors, on a gagné plusieurs mutagènes. Mutagène vert inférieur, ok, 50% de vitalité. Mutagène de griffon, ok, celui-là on l'avait déjà. Spike des milliers, on l'avait déjà. Mutagène bleu inférieur, plus 5% d'intensité des signes. Ok, celui-là que j'ai, c'est quoi? C'est exactement la même chose. D'accord, j'ai gagné rien de neuf. Non. Bon, on va donc inspecter un petit peu plus en détail cette zone. Pour voir si on peut trouver d'autres indices. Ah, ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Trace de griffes et de dents, les nécrophages s'en sont donnés à cœur joie. D'accord. Et toutes ces plaies sont post-mortem. On avait déjà vu ça. Super. Il y a un autre comme indice. Ah, là, il y a un indice. Trace de griffes. Mais ici, une flèche. La tige a été brisée à ras. D'accord. Ça veut dire que c'est des humains, c'est sûr et certain, je sais pas pourquoi. Juste, voilà, me soigner un petit peu. Rien d'autre? Il doit avoir sûrement d'autres indices. Là, il y a des indices, des traces de pieds. Des traces de pas. Un survivant. Traces de pieds. À moins que le monstre soit humanoïde. Humanoïde! Bah, on va suivre les traces. Quelque chose ne colle pas. Suivons ces traces. Je vous dis, c'est un humain. Ce n'est pas un monstre. Un monstre. Ah, les traces se perdent ici, c'est bizarre. Ah là, continue ici. Ok, c'est parti. Moi, j'aime bien ces petites phases de pistage. Pistache. Ah, ils sont là. Je suis sûr qu'ils sont là. Ils sont là, les voleurs. Là-bas. Ah non, c'est pas des voleurs, c'est sûrement les... Je devrais jeter un œil aux alentours. Sûrement ces petites bêtes. Nom de Dieu, il y en a beaucoup, là. Ouh. Bon, je suis con, j'ai pas sorti mon épée aussi. Voilà, ça y a peut-être mieux. Go! Oh Dieu, ils sont beaucoup. Mais bon, on pas. Venez, venez, venez. Et voilà, t'es coupé en deux, mon pote. Et bam, toi aussi. C'est qui vient encore? Je suis beau chaud, même si j'ai plus de vie. Je me concentrais un peu, les gars. Je suis pas encore trop doué pour les phases de combat. Mais, je me laisse pas aller, quand même. Je l'aime bien, ces petites bêtes. Mais là, franchement, ils sont beaucoup, hein. Alors que dans l'autre partie de la carte, ils étaient très peu. Et bam. Voilà. Il restait plus que toi, frangin. Ils sont vraiment vilains, ces petites bêtes. Ah là là. Ils sont vilaines. Méditation. On va essayer de suivre
Les pas. Maintenant, je ne sais plus où j'étais. Ah oui, il faudra que je fouille la zone, c'est ça. Je vois la chose. C'est parti, essayons de trouver d'autres indices dans la zone. Ah ah ah, d'accord. Ah, elles viennent de là, ok. Donc je suis dans le mauvais sens. Ah, on a découvert peut-être quelque chose. Un pas de plus et tu te retrouves avec un trou tout neuf dans la tête, Doin. Que viens-tu chercher? Parle. Je suis juste au promenade. Oh, l'air innocent. Juste une petite balade pour respirer un peu le bon air. Très amusant, sauf que ça ne me fait pas rire. Epme. D'accord. On est dans la merde. Allez, viens. T'as peur, hein? Il y a l'archer qui est là-bas. Faut que je dégomme. Faut toujours dégommer l'archer d'abord. Voilà, l'archer est dégommé. Maintenant, on peut se battre tranquillement. Hop là! Toi, reste paralysé. Voilà. Maintenant, tu fais plus que deux. Voilà. Qui veut encore venir? Allez, je suis chaud. Boum. Des elfes dégommés. À tour de bras. Ça qui est beau. Voilà, c'est comme je vous disais avant. On a dégommé tous ces elfes, mais là, maintenant, il faut chercher où on les a tués. Parce que c'est difficile à repérer. Voilà, je sais plus du tout où ils sont. De toute façon, je les ai découpés en mille morceaux, mais comme des saucisses. Mais on va essayer de repérer où ils se trouvent, ces satanés elfes. Ah bah voilà. Là, franchement, je me repère pas trop mal. Je commence à avoir l'habitude, je pense. Oh bon, là, il est coupé en deux. Quelle partie du corps il faut prendre? Voilà. Retournez auprès du capitaine du poste de garde pour toucher votre récompense. Ok, on les a tous tués. C'est bien, Ablett. C'est parti, on va chercher notre récompense. Si j'ai bien entendu, je pense qu'il va nous laisser aussi un pass pour passer cette porte. Grâce à cette quête. Cassez-vous, bandillard. Laissez passer le héros. En voici enfin. Alors, ce monstre. Il n'y avait pas de monstre à proprement parler dans les bois. Rien qu'une bande d'elfes scoliatelles qui attaquaient les convois. Tenez, leur queue d'écureuil. Des scoliatelles? Moi qui croyais qu'on avait exterminé cette vermine et que le reste des non-humains en avait pris de la graine, je dirais qu'il faut encore en pacifier quelques-uns. Je vais faire dresser une liste des longues oreilles de la région et en pendre un sur 10. Ça devrait les calmer. Oui, certainement. Bien joué. Je vois qu'on est d'accord. Vous êtes un type bien. Tenez, la somme convenue et le sauf-conduit. Bonne chance. Voilà. Sauf-conduit. On va voir ce que c'est. C'est bien un objet pour passer la porte. Il est où, sauf-conduit? C'est peut-être un objet juste à la fin. Non, il n'y a rien ici. Objet de quête, peut-être. Ah là, attendez, on va voir. Objet requis pour accomplir une quête. Ok, on sait pas ce que c'est. C'est peut-être pour passer la porte. Attendez, on va voir. Parce que, à partir de là, on peut pas passer de l'autre côté, donc je pense que. C'est pour ça, c'est pour passer là. Allez, on va essayer, on va voir. Ah non, on peut passer sans autre. D'accord, je sais pas à quoi ça sert ce sauf-conduit. Je vous dirai plus tard si je trouve à quoi il sert. Voilà. Pas d'histoire. Vu qu'on a fait très rapidement pour boucler ce contrat, je vous propose d'aller chercher une autre petite bête. Faire un autre contrat de bête.
On va faire ça tout de suite, vu que ça n'a pas été très long. Je pensais que ça aurait été plus long que ça. Donc on va faire un autre contrat. On va faire un peu une contrat à notre niveau. Voilà, niveau conseil 8. Ouais, ça ira nickel. Donc c'est parti, un hurleur. Non seulement les habitants de Perchefreux vivaient dans la peur constante des impulsions du baron, de la cupidité de sa bande de brutes, mais ils devaient en plus faire face à un monstre fourbe. Ils avaient donné à cette bête le charmant surnom de hurleur. Elle les tourmentait dans... tant qu'ils avaient décidé de payer un sorceleur pour l'éradiquer. Si jamais des fois j'ai un peu du mal à lire vu que les lettres, je sais pas si vous avez aussi cette remarque par rapport au jeu, mais franchement l'écriture sur l'écran du menu, elle est tellement petite qu'on a vraiment du mal à lire quoi. Ils auraient pu faire ça vachement plus grand, surtout que j'ai une télé 4K super grande 140 cm et j'arrive pas à lire très bien l'écriture. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez chez vous aussi. Après si vous êtes devant un PC c'est peut-être mieux, mais en tout cas sur écran c'est un peu la merde à lire des fois. Elle est tourmentée tant qu'ils avaient décidé de payer un sorceleur pour l'éradiquer. Gérald, qui était loin de rester sourd aux inquiétudes des simples gens, et avait aussi toujours besoin d'argent bien sûr, le rapace, décida d'accepter le contrat et de tuer cette bête mystérieuse. Donc c'est parti, on va aller voir cette bête, parler à l'employeur, il se trouve où? Il se trouve cet employeur? Je ne vois pas d'icône. Oh non Dieu, c'est loin. Nous voici à Perchefreux les amis. Après ce petit voyage rapide, et on va parler à ce mec pour qu'il nous dise plus de renseignements sur cette bête. Salutations. Ouais. Je viens pour le hurleur. Paraît que vous avez un problème avec un monstre. Un hurleur, c'est ça? Ouais, il rôde dans le coin. Il boulotte les vaches et les chèvres. Et il attaque même les hommes. L'autre jour, Banzai, le chasseur du vieux seigneur, l'a pris un coup de sang et s'est mis en tête de le tuer. Il a pris sa hachette et il s'est caché à l'entrée des champs pour lui tendre une embuscade. On l'a retrouvé les tripes à l'air et pendu aux branches d'un arbre comme une guirlande. Ça nous a pris une demi-journée pour retrouver tous les morceaux et l'enterrer. Oh, il fallait le laisser. Ça faisait de la décoration. Je veux une meilleure récompense. Ouais, pourquoi pas. Je sais que les temps sont durs, mais à ce prix-là, je ne peux pas accepter. Marchander. Pour marchander, afin d'obtenir une meilleure récompense, choisissez un montant avec elle et confirmez en appuyant. Votre interlocuteur accepte l'offre si le marché sera conclu. Si votre offre est trop élevée, votre interlocuteur sera contrarié et vous êtes, si vous êtes trop aimant, on prend les négociations. Ok. Niveau d'agacement. Ouais, 235. Ouais, on va mettre quoi. 250, allez. Comme ça on arrondit un peu. Vous en demandez trop. J'ai pas les moyens. D'accord, bon. 240, allez. Vous en demandez trop. J'ai pas les moyens. D'accord, donc finalement on va se faire entuber. Hein. Bon, 235, allez. D'accord. Je veux bien faire un effort. C'est vous qui allez risquer votre peau après tout. J'en fais mon affaire. Un professionnel s'occupe de votre hurleur. Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur cette créature? Ouais, Simco, le fils de Banzai. Il a vu le monstre de ses propres yeux, mais il est pas bien bavard depuis la mort de son père. Il est sous le choc, je crois. Tu m'étonnes. Je vois. Où est-ce que je peux le trouver? Chez moi. Sa mère est morte depuis longtemps, alors j'ai pris le garçon sous mon toit. Allez, pauvre garçon qui avait son père se faire secouer comme une guirlande. Il est où? Ah, il est derrière. Bon, on profite, on ramasse quelques matos. Hein. Écoutez, on va rentabiliser un peu cette quête. Hein. Qu'est-ce qu'il a ramassé par là? Je fais un moment le rapace. Alors, il n'y a rien de potable à ramasser ici. Hein. Rien de rien. Une peau de loup blanc, pourquoi pas. Éteindre les lumières, ça j'adore. Des fois je me demande presque si notre sorceleur n'est pas un prêtre à force d'éteindre toutes ces lumières, toutes ces lampes, comme dans les temples. On dit appelle ça quoi.
Il est où? Il est où ce gamin? Allez, raconte-nous tout. On nous joue les Yamikaze. Yeah, on l'attaque par surprise. Allez, c'est parti. Et bam! Une entrée fracassante. C'est moi le sorceleur. Tu peux parler? Fichez-moi la paix. Calme-toi. Je veux simplement... Fichez-moi la paix, j'ai dit. Je veux venger ton père. Je veux venger ton père. Et pour ça, j'ai besoin de savoir ce qui l'a tué. C'est le hurleur. Personne vous a dit ça? Si. Mais ça ne m'est pas... La chèvre à côté. Tu veux bien me le décrire? Me dire à quoi il ressemble? C'est... comme un coq. Mais très grand. Et avec une queue de lézard. D'accord. J'ai entendu les chiens aboyer, alors j'ai couru voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu papa avec un trou dans le ventre. Il avait mal, il criait. Et moi, je voulais l'aider, mais je savais pas quoi faire. Calme-toi, mon garçon, mon pouvoir. Là, tout va bien, du calme. Oui, calme. T'es heureux. Calme. J'ai transformé dans un robot. Calme. Voilà, t'es un robot, mon pote, grâce à moi. Satané chèvre, qui foutent la merde ici pendant le dialogue. Voilà, inspectez le lieu de l'attaque du monstre à l'aide de vos sens de sorceleur. C'est où le lieu de l'attaque? J'espère que ce n'est pas trop loin. Comme ça, j'ai pas besoin de vous faire un petit voyage rapide. À première vue, ce n'est pas trop loin. On peut y aller à pied. C'est parti, on va attaquer ce coq avec une queue de lézard. Dieu sait ce que c'est. En fait, c'est encore une arnaque, c'est encore un groupe d'elfes ou de charognards, je sais pas quoi. Dieu sait. Fais sauter, sauter, sauter. Bon, on arrête de faire les couillons. On s'approche gentiment de la bébête. Et bam, on saute à l'eau parce que. On va faire le Michael Phelps. Voilà, go, go. J'aime des fois changer panorama. Au lieu de courir, j'aime aussi nager. Les cheveux au vent. C'est ma passion. C'est sûrement une bête des marécages. Saloperie du genre. Si jamais, un petit conseil aussi, si vous affrontez ces petites bêtes aquatiques que j'ai croisées tout à l'heure au bord... Au bord de la rivière là de l'autre côté, qui était 5 ou 6, il y a une technique très facile pour les tuer, je me suis même pas rappelé. Vous les appâtez dans l'eau et puis vous les butez à l'arbalète. En fait, avec une seule flèche, un seul carreau, vous les one-shotez directement sous l'eau. C'est ça qui est assez bien avec ces bébêtes. Donc voilà, il faut une technique. Il est où le cadavre? Où les restes du cadavre? Il a dit qu'il a été pendu à un arbre, donc vous n'êtes pas trop loin d'un arbre. Ah, des traces. Les empreintes deviennent irrégulières. Le monstre s'est mis à tituber. Il était sans doute blessé. Ça part là, alors. Oui, oui, ça part là, avec les traces. Du sang. Celui d'un monstre. Voilà, on voit les traces. J'espère pas que ça disparaît dans l'eau après. Sinon on est dans la merde. On est dans la merde, ça disparaît dans l'eau. J'ai dû analyser encore ça. Ah. Ah ah. Son museau est couvert de sang. Il a chèrement vendu sa peau. D'accord. Ok, je vais voir ce que je peux faire là. Ah, il y a quelque chose là, c'est quoi ça? Son museau est couvert de sang. Il a chèrement vendu sa peau. D'accord, super, il dit 10 fois la même chose. Donc, réfléchissons. Le monstre y était par là. Ah, je vois quelque chose là. Non, c'était rien.
Donc ça veut dire qu'il est parti à pied quelque part. Par là, ou il a traversé par là. Ah! Voilà, j'ai retrouvé des nouvelles traces enfin. Donc, les traces viennent de l'eau. Tout simplement, là aussi. Voilà, elle continue par là. Par là-bas. Je suis un très bon pisteur. Non, je fais un moment pif. Ah, là, je vois encore des traces. Eh, il fait que des petites traces, hein, ce satané monstre. Je pense que c'est pas ce qui saigne encore. Les traces conduisent à la caverne. Un coup Catrix. La caverne d'Ali Baba. C'est parti, on va faire ce petit donjon. Et j'ai déjà reçu des récompenses. Ouh là là, j'aime pas. J'aime pas quand il fait tout noir comme ça. Je crois que je vais sauvegarder parce que je sais pas pourquoi je vais me faire surprendre et me faire bousiller. Il faudra que je sois au taquet, hein, parce que je sais pas pourquoi, mais le monstre va nous surprendre. Du bruit, ça vient d'en haut. C'est une chose. Oh putain, c'est quoi ça? Je vais lui balancer une bombe. Ça devrait le faire sortir. C'est parti, on va chercher cette bombe. Je sais que j'en ai une en réserve. Ah, j'en ai même encore deux. Génial. Sélectionner. On va voir où elle est. Où il est, plutôt. Coq, il est là. Il est où? Il est là-bas en haut. Ok, donc je vais balancer là-bas. Ah, il était sur le support là-bas. Il n'est pas là. Oh putain, il est en train de se barrer. Il a trouvé une autre sortie. Vite, je dois le rattraper. Le voilà. Ah, ils volent! Cette fois, je vais lui régler son compte. D'accord, s'il vole, ça j'ai gardé un truc exprès pour cette occasion. C'est ces carreaux-là qui infligent beaucoup plus de dégâts. Voilà, là on va prendre mon arbalète. Je viens de réfléchir, je vais voir s'il y a quelque chose sur cette bête. Dans le bestiaire, peut-être. Là, il n'y a rien. Ouh, c'est déjà mauvais augure. Hybride, maudite, oh putain. Draconide. Ah, hurleur, voilà. L'hurleur, il est là. Ah, ok, c'est hurleur. Ok. Le monstre qui tourmentait les habitants de Perchefreux s'avère être un cocatrix particulièrement retors. Gérald ne fut guère surpris que les hommes du baron ne soient pas venus à bout. Ils étaient impuissants face à la précision chirurgicale de ses attaques capables de trancher les artères et déverser un flot de sang que seule une potion d'hirondelle pourrait tarir. Ces soldats ignoraient comment contraindre la bête à atterrir grâce à un carreau d'arbalète, une bombe ou un signe lancé au moment opportun. Et comment esquiver sa charge d'une roulade habile afin de se placer sous ses ailes déployées de la créature. Ok, donc il faudra bien esquiver sous ses ailes. Et la ruche, ok, l'huile contre les draconides. Et l'attaque, la magie, c'est l'arde, ok. Ok, donc je vais déjà sélectionner l'arde. Ok. Attaque psychique. Et je vais voir si j'ai pas quelque chose à m'équiper. Qui pourra m'aider. Une hirondelle. Accélère regain de vitalité. Ok, ça je vais mettre. On aurait peut-être besoin. Voilà. Si jamais je me fais avoir par cette satanée bête. C'est... Mais je pense qu'elle est costaud, hein. En tout cas, sur la photo, elle a l'air costaud. Et même, putain, elle a l'air grand. Elle a l'air balèze, hein, cette bête. C'est parti, on va s'attaquer. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Merde, j'ai déjà loupé. Voilà. Oh non, le dieu. Dieu, ça m'a fait chier, ça. Dégâts de saignement, je suis dans la merde. Voilà, je vais essayer de gagner de la vie. Je vais boire une petite hirondelle. Voilà. Merde, je suis con, j'ai des... Elle est où, mon épée? Pourquoi j'ai sorti mon épée? Ah, fait chier. Heureusement que j'ai ces potions.
Allez, viens vers moi, viens. Viens. Satané poulet. Viens, viens. Oh nom de Dieu, il est costaud ce poulet. Ah là, je vais essayer de gagner un peu de vie, sinon je vais me foutre plein les dents, je serai mal. Ah là, tiens, ça t'apprendra. Je vais le faire une petite attaque dès que j'aurai un petit peu plus de magie. Merde, j'ai gaspillé pour rien. Quoi, il faut y aller, faut y aller. Elle est chaude hein. Oh putain, il m'a eu. Satan est bête. Ah là, il faut que je gagne ma vie, nouveau. Il faut que j'ai des dégâts de saignement en même temps. Elle est costaud hein. J'ai enlevé à peine un tiers de la vie. Merde, il faut que je fasse gaffe à ces attaques comme ça, celles qui enlèvent le sang. Celles qui pourraient me bousiller. Allez dégâts absolument, enlève-toi. Voilà. J'essaie de gagner un peu de vie. Voilà, j'ai réussi à leur enlever pas mal de vie. Voilà, j'essaie de bouffer des trucs que j'ai à ma disposition. Hop là. Ça des bêtes, je t'ai esquivé. Voilà. Elle est costaud. Voilà, dans l'œil. T'en veux pas, te casse pas, Tito. Hop là. Quel combat de malade, je transpire la manette. C'est vrai qu'il faut avoir un sacré niveau pour se battre contre cette bête. Elle est où? Elle a une attaque. Je ne vois plus rien. C'est le bordel. Il faut que je me casse. Merde, j'ai bu de l'alcool. Maintenant maintenant je vois plus rien. La catastrophe. Voilà. Joli. Elle est où? Maintenant je suis complètement bourré. Oh là, ça a dû aviser. Teddy est en train de battre un dragon complètement shooté. Ça c'est beau. Tête, j'ai encore rien enlevé. Et j'ai plus rien à bouffer. Je dois prendre une potion d'hirondelle. Ça va être chaud pour la fin du combat. J'en ai pas mal de vie là.
je fais des attaques rapides, ça marche pas trop mal. Ça t'as des bêtes. Touch. Ça c'est du. Ça c'est de la baston. Merde, elle m'a eu un dégât de saignement, fais chier. Putain, j'ai enlevé beaucoup de vie là. Oh nom de Dieu, elle m'a ruiné dessus. Ouf, j'ai encore une potion d'hirondelle, c'est bon. Elles m'ont bien aidé ces potions. Le combat est presque fini, satan des bêtes. Viens là, coq sauvage. Viens là. Tu n'es même pas un vrai coq. T'es une sale bête, immonde. Voilà, coup de grâce. Ouf, nom de Dieu. Je crois que j'ai jamais eu un combat aussi éprouvant. Même contre le premier griffon, c'était pas aussi chaud, quoi. Nom de Dieu. C'est là que vous voyez, il faut vraiment faire gaffe au niveau des quêtes. Hein. Pas cette quête-là était niveau 7, hein, si je me trompe pas. Ouais, même niveau 8. Tetch. Était même niveau 8 et moi je suis allé en plein dedans, quoi, comme un singe. Mais j'ai réussi à l'abattre. Ça était bête. C'est cool, je suis content. En plus, j'ai gagné un nouveau mutagène. C'est bien. Allez, on va lui ramasser sa tête à ce hurleur. À ce coq. Voilà. La voici, sa tête. Tout ça pour une tête. Mais c'était un combat épique, franchement. Hier, il a rapporté un saut d'épluchure. Voilà. Donne-moi la thune, biston. Salutations. Ouais. Viens pour le hurleur. Merci, sorceleur. Voilà votre récompense. C'est pas grand-chose, mais... comme on dit, un tien vaut mieux que deux tendras. Gardez l'argent pour Simco. Non. Moi, je veux l'argent, j'en ai besoin. Et j'ai pas fait ça pour rien. Gardez l'argent ? Non. Merci. Merci. Et si vous avez un autre problème dans le genre, faites-moi signe. Voilà, en plus j'atteins le niveau 6. Et j'ai débloqué le trophée du hurleur, voilà. Nickel. Je sais pas si j'ai débloqué 4 niveaux de compétences en plus. Non, 1 en plus, c'est tout. Voilà les amis, après avoir buté ces deux menaces. Bon, la première était très très simple. C'était juste un... voilà, comme ça j'ai de nouveau assez d'argent. C'était juste une bande d'elfes affamés par l'argent. Et puis le deuxième contrat était quand même beaucoup plus costaud avec ce satané hurleur qui avait un super niveau, quoi. Putain, c'était vachement chaud. Et je voyais pourquoi, parce que c'était une quête niveau 8. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode de cette aventure. J'espère que vous avez aimé. Et comme je dis avant, on se retrouve bientôt. Et ciao ben les amis, ciao.